produit, les gueules noires. Nous continuons maintenant avec Mon Esprit Libre et une autre marche tirée de son impressionnant répertoire, Honneur au 43e RI. Quelques mots sur Maurice Philibert. Maurice Philibert, qui nous a quittés en ce début d'année 2019 d'ailleurs, est né à Besançon le 7 octobre 1927. Après des études de trompette et d'écriture musicale, il fera un passage par l'orchestre du théâtre municipal de Besançon. Il embrassera ensuite une carrière dans la musique militaire. Versailles, l'Indochine, Soissons, l'Afrique du Nord et Paris seront là les étapes qui jalonneront son parcours musical dans l'armée. En 1964, il est reçu au concours de chef de musique militaire à Lille et devient chef de la musique du 43, comme on dit par ici. Il contribuera à faire de la musique du 43e la musique militaire la plus populaire de France, en la faisant participer à diverses émissions de radio et de télévision. Il composera tout au long de sa carrière près de 170 pièces musicales. Voici donc pour continuer notre concert, honneur au 43e Régiment d'infanterie.
comme Maurice Philibert, changement d'univers complet. Dans le jargon du cinéma américain, Jurassic Park est ce qu'on appelle un blockbuster. Entendez par là, un film à très très gros succès et aussi à très gros budget. Tellement un gros succès d'ailleurs qu'il fait partie du cercle très fermé des films ayant dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde. C'est Steven Spielberg, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, qui réalisera le film en 1993 en adaptant le roman du même nom publié par Michael Crichton en 1990. Pour ceux qui seraient passés à côté, voici l'histoire en quelques mots. John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie Ingen, parvient, grâce à de la manipulation génétique et à partir d'une goutte de sang prélevée sur un moustique fossilisé, à redonner vie à une dizaine d'espèces de dinosaures, afin de concrétiser un vieux rêve, celui d'ouvrir le plus grand parc à thème du monde sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un petit groupe d'experts afin d'obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et un informaticien corrompu par une entreprise rivale en profite pour couper les systèmes de sécurité dans le but de voler les embryons de dinosaures. En l'absence de tout système de sécurité, pendant plusieurs heures, les dinosaures s'échappent de leur enclos et prennent possession de lui. Le cauchemar commence. Comme pour la majorité des films de Spielberg, c'est John Williams, compositeur à succès, qui travaillera sur la bande originale du film. Elle fera également un très gros carton. Alors, mesdames et messieurs, sans plus attendre, imaginez-vous maintenant sur une île perdue au milieu du Pacifique, la tempête gronde, la pluie tombe à torrents. Vous entendez au loin les cris féroces des tyrannosaures, le sol tremble sous les coups répétés des pas des brachiosaures qui viennent en votre direction. Couvrez-vous la tête, les vélociraptors foncent sur vous à toute allure, pas de doute. Vous êtes bienvenue à l'ère du Jurassique. Et c'est au paléontologue de renom Francis Leclerc qu'il revient de nous protéger de la menace. Voici Jurassic Park. Thank you.
Après les dinosaures, continuons notre concert en changeant à nouveau complètement d'univers. Minnie the Moocher, que nous allons maintenant vous interpréter, est une chanson qui fut écrite par le chanteur et showman américain Cab Calloway. Il l'enregistra pour la toute première fois avec son orchestre en 1931. La chanson rencontra tout de suite le succès. Le disque fut d'ailleurs vendu à 1 million d'exemplaires. Pourtant, les paroles ne vendent pas beaucoup de rêves. Pour faire court, Minnie est une prostituée vulgaire, amoureuse d'un cocaïnomane qui lui fait fumer de l'opium. Cependant, Minnie fait des rêves, comme celui d'épouser le roi de Suède, qui la comblera de tout ce dont elle a envie, etc., etc. Mais là encore, l'histoire ne finit pas bien, pauvre Minnie. Minnie the Moocher restera pour l'éternité sa chanson la plus célèbre. Elle figurera également sur la bande originale du mythique film Les Blues Brothers. Cab Calloway l'interpréta d'ailleurs pour l'occasion accompagné du Blues Brothers Band. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons ici l'air non pas notre Minnie à nous, mais notre Cab Calloway. Avant de vous laisser en sa compagnie, il me faut cependant procéder à une petite vérification d'usage, car oui, mesdames et messieurs, nous allons avoir besoin de vous. Alors, je vais vous demander de bien vouloir répéter après moi. Heidi, 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 Heidi. Hodi, 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 ho. Hodi, 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 ho. Heidi, 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 ho. Bravo, je pense qu'on peut vous applaudir bien fort. Vous êtes bien prêts. Alors, je vais vous demander maintenant de bien vouloir réserver un tonnerre d'applaudissements à notre Cab Calloway venant tout droit de St. Hilaire's Coats. Voici Catherine Briançon qui vous interprète Minnie the Moocher. Sweet, he never knew that she was needed.
été formidable. Bravo. La plaisir d'avoir bien fort, Catherine Briançon. Et France au solo de l'orchestre. L'œuvre que nous allons maintenant vous interpréter est signée du compositeur néerlandais Rob Balfort, né en 1961 à Wolfskotten. Après des études de trompette, il devient chef d'orchestre et compositeur. Il se spécialisera dans l'écriture sur mesure de compositions, d'arrangements et d'accompagnements pour toutes sortes de formes orchestrales. Irish Impression est l'une de ses compositions écrites pour orchestre d'harmonie. Cette suite, composée de quatre mouvements, alternant parties rapides enjouées et parties plus lentes et solennelles, vous emmènera au cœur de la musique traditionnelle irlandaise. Vous apprécierez notamment de ce disque Francis Leclerc à la clarinette et Pierre Louchard à l'euphonium. Alors, attachez bien vos ceintures, éteignez vos portables, ouvrez, si vous en avez la possibilité, une petite Kilkenny pour vous mettre dans l'ambiance, à consommer toutefois avec modération, et si vous avez besoin
Après Vive et les Gueules Noires, nous continuons maintenant avec Maurice Rivière et une autre marche qui reste son impressionnant répertoire, honneur au 43e RI. Quelques mots sur Maurice Rivière. Maurice Rivière, qui nous a quittés en ce début d'année 2019 d'ailleurs, est né à Besançon le 7 octobre 1927. Après des études de trompette et d'écriture musicale, il fera un passage par l'orchestre du théâtre municipal de Besançon. Il embrassera ensuite une carrière dans la musique militaire. Versailles, l'Indochine, Soissons, l'Afrique du Nord et Paris seront là les étapes qui jalonneront son parcours musical dans l'armée. En 1964, il est reçu au concours de chef de musique militaire à Lille et devient chef de la musique du 40 Pro, comme on dit par ici. Il contribuera à faire de la musique du 43e la musique militaire la plus populaire de France, en la faisant participer à diverses émissions de radio et de télévision. Il composera tout au long de sa carrière près de 170 pièces musicales. Voici donc pour continuer notre concert, honneur au 43e Régiment d'infanterie. Thank you.
Prénom ici libère, changement d'univers complet. Dans le jargon du cinéma américain, Jurassic Park est ce qu'on appelle un blockbuster. Entendez par là, un film à très très gros succès et aussi à très gros budget. Tellement un gros succès d'ailleurs qu'il fait partie du cercle très fermé des films ayant dépassé le milliard de dollars de recettes dans le monde. C'est Steven Spielberg, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, qui réalisera le film en 1993 en adaptant le roman du même nom publié par Michael Crichton en 1990. Pour ceux qui seraient passés à côté, voici l'histoire en quelques mots. John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie Ingen, parvient, grâce à de la manipulation génétique et à partir d'une goutte de sang prélevée sur un moustique fossilisé, à redonner vie à une dizaine d'espèces de dinosaures afin de concrétiser un vieux rêve, celui d'ouvrir le plus grand parc à thème du monde sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un petit groupe d'experts afin d'obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et un informaticien corrompu par une entreprise rivale en profite pour couper les systèmes de sécurité dans le but de voler les embryons de dinosaures. En l'absence de tout système de sécurité, pendant plusieurs heures, les dinosaures s'échappent de leur enclos et prennent possession de lui. Le cauchemar commence. Comme pour la majorité des films de Spielberg, c'est John Williams, compositeur à succès, qui travaillera sur la bande originale du film. Elle fera également un très gros carton. Alors, mesdames et messieurs, sans plus attendre, imaginez-vous maintenant sur une île perdue au milieu du Pacifique, la tempête gronde, la pluie tombe à torrent. Vous entendez au loin les cris féroces des tyrannosaures, le sol tremble sous les coups répétés des pas des brachiosaures qui viennent en votre direction. Couvrez-vous la tête, les vélociraptors foncent sur vous à toute allure, pas de doute. Vous êtes bienvenu à l'ère du Jurassique. Et c'est au paléontologue de renom Francis Leclerc qu'il revient de nous protéger de la menace. Voici Jurassic Park. Thank you.
Après les dinosaures, continuons notre concert en changeant à nouveau complètement d'univers. Mini the Mutual, que nous allons maintenant vous interpréter, est une chanson qui fut écrite par le chanteur et showman américain Cab Calloway. Il l'enregistra pour la toute première fois avec son orchestre en 1931. La chanson rencontra tout de suite le succès. Le disque fut d'ailleurs vendu à 1 million d'exemplaires. Pourtant, les paroles ne vendent pas beaucoup de rêves. Pour faire court, Minnie est une prostituée vulgaire, amoureuse d'un cocaïnomane qui lui fait fumer de l'opium. Cependant, Minnie fait des rêves, comme celui d'épouser le roi de Suède qui la comblera de tout ce dont elle a envie, etc., etc. Mais là encore, l'histoire ne finit pas bien, pauvre Minnie. Minnie the Moocher restera pour l'éternité sa chanson la plus célèbre. Elle figurera également sur la bande originale du mythique film Les Blues Brothers. Cab Calloway l'interpréta d'ailleurs pour l'occasion accompagné du Blues Brothers Band. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons célébré non pas notre Minnie à nous, mais notre Cab Calloway. Avant de vous laisser en sa compagnie, il me faut simplement procéder à une petite vérification d'usage, car oui, mesdames et messieurs, vous allez avoir besoin de vous. Alors, je vais vous demander de bien vouloir répéter après moi. Heidi, 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 Heidi. Holy, 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 tonnerre d'applaudissements à notre Cab Calloway venant tout droit de St. Hilaire's Court. Voici Catherine Briançon qui vous interprète Minnie the Mutual. Thank you.
Julien Sorens. France au solo de l'orchestre. L'œuvre que nous allons maintenant vous interpréter est signée du compositeur néerlandais Rob Balfort, né en 1961 à Wolfskotten. Après des études de trompette, il devient chef d'orchestre et compositeur.
James Charles Barnes est un compositeur et tubiste américain né en 1949 à Hobart, dans l'État d'Oklahoma. Il a à son actif de très très nombreuses compositions pour orchestre d'harmonie et plusieurs symphonies. Ses œuvres, d'ailleurs, sont pour beaucoup très connues et jouées régulièrement en Amérique, en Europe et en Asie. Ouverture Energico, que nous allons maintenant vous interpréter et qui viendra clôturer notre partie de concert, est l'une de ses œuvres. Elle est, comme son nom l'indique, dynamique et énergique. Voici Ouverture Energico.
Alors, est-ce que Mini Zemmoucher vous a plu tout à l'heure? Est-ce que vous en voulez encore? Alors, c'est parti pour Mini Zemmoucher Part 2. Vous avez encore de la voix ? Oui ! C'est parti. Thank you.